Je ne travaille que par le bouche à oreille, uniquement sur recommandation. Je suis donc introuvable. L'expérience m'a appris une chose. Lorsqu'on doit orchestrer, coordonner ou trafiquer la destinée des gens, il vaut mieux voler sous les radars. J'espère qu'elle est célibataire parce que je ne fais pas les ruptures. Ah, bonjour, oui. Merci de me recevoir. Oui, non, enfin, elle vient tout juste de se séparer de son ami. C'est un problème parce que si c'est le cas... Bon, d'accord, j'avoue que je ne suis pas très à l'aise, ça me gêne un peu. Le fait est que j'ai beaucoup souffert. J'ai connu des tas d'expériences malheureuses et des bonnes aussi, mais j'en ai surtout eu des malheureuses. Alors, vous voyez, je suis prêt à tout. Ouais, enfin, a priori, pas pour tout, vous voyez ce que je veux dire. Je ne le ferai pas pour n'importe qui, mais... Mais pour elle, ouais, alors là, ouais. Et si vous me parliez un peu d'elle? Oh, pff. Bon, d'accord, je vais essayer. Je bosse pour la boîte qui gère sa fortune. Je suis son conseiller fiscal. Enfin, il n'y a pas que moi. En fait, je suis l'assistant comptable. Elle sait que vous êtes intéressé? Oh, non, 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 non. 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 Envie? Je lui ai prêté mon stylo une fois. Zut, quelqu'un a un stylo à me prêter? Oui, moi. Non, moi. Oh. Albert, vous m'écrasez le bras. Excusez-moi, tenez, Allegra. Merci. Oh. Allegra? Comme dans Allegra Cole? Je suis consciente de ne pas concentrer tout ce qu'elle recherche chez un homme. Disons que son ex-petit copain était genre le roi de Suède ou l'empereur... Ce type était une crapule d'abord. Bon, il n'était pas particulièrement sympathique, enfin, c'est mon avis. Vous visez la médaille d'or? D'accord, d'accord, c'est vrai. Bon, écoutez, vous croyez pas que j'ai tout fait pour me dissuader de ça? Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Je sais très bien que c'est ridicule, je le sais, ok? Seulement, je me suis dit peut-être que... qu'avec votre... avec votre aide, je peux... Bon, allez. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Albert, attendez une seconde. Vous savez ce que c'est? De se lever tous les matins, désespéré, en vous disant que celle que vous aimez se réveille auprès d'un autre homme. Mais en même temps, vous espérez qu'elle trouvera le vrai bonheur. Même si ce sera jamais avec vous. Vous êtes vraiment un grand malade. Vous le savez, ça? Ouais. C'est bien. Oui. C'est bien. Vous avez entendu parler de Michel-Ange? Oui. La chapelle Sixtine, ça vous parle? Oui. Moi, Michel-Ange. Vous, la chapelle. Vous acceptez de faire? Je m'appelle Alex Hitchens. Allons peindre ce plafond.